Urge, les Pays-Bas ont expulsé 4 Russes soupçonnés d'une cyberattaque contre l'OIAC. 2 avions militaires se heurtent lors d'un atterrissage au Soudan, 8 blessés, vidéo, 2 Antonov n'ont pas pu atterrir sur la piste d'atterrissage de l'aéroport de la capitale soudanaise Khartoum, et la collision a fait au moins 8 blessés, selon une source au sein de l'aéroport. Une collision entre 2 avions de l'armée soudanaise sur la piste de l'aéroport de Khartoum a fait mercredi 8 blessés. 2 avions, en 26 et en 32, selon certaines informations, ont atterri un après l'autre, avec une pause de quelques secondes seulement, a appris l'AFP d'un responsable. 8 personnes ont été blessées et transférées à l'hôpital lorsque 2 avions militaires sont entrés en collision, a précisé une autre source. Le porte-parole de l'armée soudanaise, le général de brigade Ahmed Khalifa Chami, a déclaré dans un communiqué que les avions étaient des avions cargo militaires et a ajouté que l'incident n'avait causé aucune perte. Une enquête a été ouverte pour trouver la raison de la collision, a-t-il déclaré. L'aéroport avait été temporairement fermé après l'accident. Sur la vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on voit 2 avions se déplaçant le long de la piste avant que l'un ne percute soudainement la queue de l'autre. Les 2 avions semblent avoir été gravement endommagés à en juger par des images postées en ligne. L'accident de mercredi est le 3e à avoir touché la flotte militaire vieillissante du Soudan en moins d'un mois. Le 21 septembre, 2 pilotes ont été tués lorsque leur avion de combat s'est écrasé près d'Omdurman, la ville jumelée de Khartoum sur la rive ouest du Nil.